Bonjour à tous, c'est sûrement l'une des interviews qui me tenait le plus à cœur en venant travailler ici sur KTO, l'interview du père Stan Rouget. J'ai mis 7 ans, mon père, à pouvoir réaliser mon bonheur. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau de KTO Magazine pour un entretien d'une heure. Vous êtes éducateur, infirmier, aumônier de lycée, chroniqueur, prédicateur à France Culture et à la télévision. Vous avez parcouru le monde en animant des rencontres, ce qui vous donne une ouverture d'esprit hors du commun. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages à succès. Vous avez notamment publié « L'avenir est à la tendresse » aux éditions Le Cerf, « Accroche ta vie à une étoile » chez Albin Michel, ou encore « Au commencement était l'amour » aux presses de la Renaissance, et récemment « Dépression, une traversée spirituelle ». Tout de suite, nous allons voir avec Guillaume Roubert quelques traits de votre belle personnalité. Un homme aux multiples facettes, vous allez voir. Nomade de l'éternel, une vie pour aimer, les rendez-vous de Dieu, l'inventaire pourrait être encore long. Derrière ces couvertures, le père Stan Rouget. Près de 25 livres commis, dont le best-seller « L'avenir est à la tendresse ». Le père Rouget côté cour, un écrivain hors pair et prolixe. Côté jardin, un homme simple et un prêtre original. Salut! L'allure bonhomme, la barbe reconnaissable et le dialogue facile, son visage ne vous est pas inconnu. Normal, le prêtre est un habitué des projecteurs et des médias. Chroniqueur à la radio, prédicateur à la télévision ou dissertant de ses ouvrages dans les émissions littéraires, le père Rouget, c'est d'abord le talent de la communication. Ici, Radio-Canada. Stan Rouget, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un prêtre cool, semble-t-il. Qu'est-ce qui vous pousse à parcourir ainsi le monde et à rencontrer tous ces jeunes tel un pèlerin infatigable ? Je crois que j'ai manqué de Dieu dans ma jeunesse et j'ai vu beaucoup de jeunes qui sont morts de ne pas avoir eu une image de Dieu digne de leur adoration. Ils avaient un Dieu teigneux, un Dieu dénicheur de coupables et ils auraient rêvé d'un Dieu d'amour. Alors, comme j'ai eu la chance de le rencontrer dans ma jeunesse, je voudrais faire partager ma joie. L'esquisse d'une vie pour le moins colorée, car le parcours est picaresque. Éducateur de jeunes délinquants, puis infirmier au Burkina Faso, il rêve d'être globe-trotteur, mais devient prêtre en 1960. L'homme s'efface peu à peu derrière le message. Alléluia, alléluia. Dieu n'est pas au bout d'un raisonnement, Dieu est au bout d'un émerveillement, au bout d'une stupeur. Dieu est au bout de cet éblouissement que l'on a devant la beauté. Mais sous toutes ses formes, que ce soit des vagues qui frappent les rochers comme j'en voyais quand j'étais à Saint-Jean-de-Luz et que j'avais 15-16 ans, que ce soit un petit grillon qui sort de son trou et je grattais là au milieu des marguerites couchées dans l'herbe quand j'avais 10 ans, toute cette beauté de la création, elle est multiforme. Donc j'ai eu un désir fou de faire connaître ce visage de Dieu, cette parole de Dieu, qui est une parole de vie. Le père pose son style, simple mais touchant. De ses rêves d'enfant reste l'insatiable envie de voyager. L'homme est baroudeur, le prêtre est bourlingueur. Routard de l'éternel, il parcourt le monde à la découverte des gens, animant rencontres et retraites en envoyé du Christ. Comment ferais-je pour me séparer de toi ? Où fuir pour ne plus voir ton visage? Je vais au plus haut des cieux, tu es là. Je descends dans les tombeaux, je t'y retrouve. Je prends les ailes de l'aube, je m'installe aux extrémités des mers. Là encore, ta main me conduit. Baladin de l'espérance, ses chemins, lui, sont ceux de traverse. Sur les routes, la guitare dans le dos, l'évangile à la ceinture, il divulgue la parole de Dieu à qui veut, au gré de ses pérégrinations, car l'homme aime le contact et la confrontation. Je crois que Jésus-Christ a quelque chose à dire aux hommes. Il y a souvent un malentendu entre les humains et cette parole de Dieu. Ils ne la comprennent pas parce qu'elle n'a pas été prononcée dans leur langue. Donc il faut faire cette traduction pour eux. Et là, il y a tout un travail qui est passionnant d'ajuster la parole de Dieu à tel ou tel, dans sa vie, pour l'aider à se construire, à découvrir qui il est et à lui faire sentir qu'il est grand, qu'il est aimé. Décoder le message de Dieu et surtout le faire découvrir aux jeunes. 38 ans passés à leur côté comme aumônier de lycée ou de faculté dans la région parisienne. Le père signe son sacerdoce.
C'est là qu'il se réalise comme prêtre, ouvrant avec cette jeunesse un dialogue cœur à cœur. Et quand on les voit seul à seul, les jeunes ne sont pas du tout ce qu'on montre d'eux quand ils sont en groupe. Bon, j'ai vu de la violence, et je crois que la violence veut dire quelque chose. Les violents, ils disent « aimez-moi ou je mors », et puis les déprimés, ils disent « aimez-moi ou je meurs ». Mais quand je les voyais seul à seul, en particulier, ils me racontaient leur vie, leurs désirs, leur soif, et je sentais chez eux un immense besoin d'être reconnu, accueilli, respecté, aimé. Et je suis très très heureux de pouvoir contribuer à l'évolution d'un être, qu'il découvre qui il est. Je crois que l'éducation, c'est de libérer en quelqu'un la plénitude de son identité, lui faire découvrir ce dont il est capable, ce à quoi il est appelé. Artiste dans l'âme, le père Stan vit aussi le Christ dans le dessin, la poterie et la photographie. Des moyens d'expression passionnés pour ce prêtre à l'accent romantique, toujours tourné vers les autres. Ça, par exemple, c'est le premier pot que j'ai fait et qui a été ensuite cuit. Donc, c'est très, très amusant d'avoir une motte de terre et de la tourner dans ses mains. Et on pense à toutes ces expressions bibliques où Dieu se compare à un potier qui fabrique cette œuvre d'argile que nous sommes. Mes sujets favoris, ce sont les visages. Les visages parce qu'ils sont l'expression de l'âme. Les visages parce qu'ils disent la profondeur d'un être humain, sa grandeur, sa dignité. Quelques instantanés de vie figés, mais des témoins vivants de la beauté divine. Car la plume à la main ou à la télé, en esthète ou en aventurier, c'est bien de sa rencontre avec Dieu que le Père témoigne. Une rencontre décisive qui a donné un sens à sa vie. Un rendez-vous d'amour avec le Christ qu'il voudrait que chacun vive à son tour. Impossible d'éprouver du bonheur si on ne sait pas où on va et qui on est et ce qu'on fait là. Donc je souhaiterais de tout mon cœur que notre époque retrouve le sens de Dieu. On ne peut pas bien vivre si on croit qu'on vient du néant pour y retourner. Et à chaque messe, donc, Dieu vient nous dire « Je t'aime jusqu'à la folie de l'amour. J'ai donné ma vie pour toi. » Et même si tu étais tout seul, j'aurais donné ma vie pour toi. Je rêverais dire aux jeunes, attention, Dieu te cherche, laisse-toi trouver, va au rendez-vous qu'il te donne, dans le silence, dans sa parole, dans les grandes fêtes et les grandes célébrations, dans les témoins de son Église, dans les sacrements. Dieu nous donne au moins une vingtaine de rendez-vous. Ne loupe pas ces rendez-vous, ce serait trop dommage. Tu passerais à côté de la grande richesse de ta vie, du grand trésor qui pourrait faire de toi un grand vivant. À 76 ans, jamais fatigué et toujours optimiste, le père Stan Rougier aide chacun à cultiver son jardin spirituel. Il opère la conversion dans les cœurs et continue à sa manière de faire germer la foi. Alors, retour sur ce plateau de Catéo Magazine, ça vous fait sourire tout ça, hein? C'est vrai que c'est très, très émouvant, c'est magnifique hein, ce reportage qui vous est consacré. C'est un bon extrait d'un DVD qui a été fait par un jeune de 24 ans, Cédric Avenit, et je trouve qu'on a fait un bon choix là. Oui, Guillaume Roubert a repris magnifiquement des extraits pour l'illustrer, recommenter le DVD, et donc en tirer sa substance hein, pour ne pas dénaturer le beau personnage que vous êtes, mon père. En tout cas, magnifique témoignage. Merci de nous l'offrir sur ce plateau. Tout d'abord, j'ai une question à vous poser. Elle vient d'où, cette flamme? Parce qu'on peut parler de flamme que vous avez dans les yeux, dans le regard. Voici ce qui m'étonne chez vous. C'est cette... Bon, on me le dit. Alors, j'ai bien été obligé de creuser. Et je me dis, il peut y avoir l'origine de mes parents, tous les deux du Midi. Mon père d'Aix-en-Provence, ma mère du Béarn. Et je crois que c'est le soleil. On ne peut pas vivre dans le Midi sans avoir une explosion de vie et de joie. Et l'Évangile est venu là-dessus pour multiplier par 100 ce qui était donné par mes parents. Ne pensez pas que les yeux sont le reflet de l'âme avant si, tout ? Si, si. Chez vous aussi. Alors, on va passer à un autre sujet, mon père. On va passer à cette vie que vous avez consacrée aux jeunes. Tout à fait. Et aux enfants, très souvent donc dans des quartiers difficiles, là encore où vous vivez aujourd'hui,
Qu'est-ce qui vous motive d'être en contact avec ce type de population ? Quand j'avais 16 ans, mon chef scout m'a dit « Est-ce que tu veux venir avec moi aider des jeunes délinquants à sortir parce qu'ils sont enfermés tous les week-ends ?» J'ai dit « Ok, pas du tout par amour des jeunes, mais par amour de mon chef scout, que j'admirais terriblement. » Donc pour être bien vu, j'y ai été. Un jeune, il marche à l'amitié. Et au contact de ces jeunes, j'ai compris qu'il y avait un problème grave et que ces jeunes avaient manqué d'amour. Qu'au lieu de reconnaissance, ils avaient reçu des taloches, Foulquant, Tugène, Dégage. Et j'ai souffert avec eux de cette souffrance. Et pendant des mois et des mois, j'ai vécu avec eux, d'une part à Roya et d'autre part à Auxerre. Et il faut un charisme particulier, il faut une façon de penser un peu différente pour pouvoir d'abord s'approcher d'eux, rentrer en contact avec eux, et puis les apprivoiser, le mot n'est pas trop fort. J'ai eu aucun mal à ça, je me sentais de plein pied avec eux, comme si au fond mes propres souffrances résonnaient au contact des leurs, et comme si moi aussi j'avais eu soif d'être reconnu. Donc ils ont souffert, ils ont vraiment l'impression d'être en adéquation, je dirais, avec vous total, sur ce sujet-là. Total. Je me souviens avoir soutenu l'un d'entre eux au moment où il passait en jugement. C'était un gars qui était très très dur et qui m'envoyait paître sans arrêt. Et ensuite, il a passé toute une nuit à me faire un dessin magnifique. Et vis-à-vis de ces jeunes, vous avez quel comportement ? J'essaie d'être proche, j'essaie d'écouter, j'essaie de souffrir avec, j'essaie de prier avec. L'autre jour, il y a eu un coup de fil d'une femme qui pleurait. À un moment donné, en désespoir de cause, je lui ai dit « Ça vous ennuierait qu'on prie un peu ensemble ?» Elle était révoltée. C'était un pari, un coup de poker. Elle m'a dit « Je veux bien ». On a prié, elle s'est apaisée. Et au moment, avant de raccrocher, elle m'a dit « Ça m'a fait du bien de prier ». Mais on dit ces jeunes hermétiques à la prière. Pas tant que ça, d'après vous ? Pas du tout. Pas du tout. Ils sont hermétiques à une certaine image de Dieu. Mais ils veulent un Dieu de tendresse et de miséricorde. J'ai engueulé un jour une fille parce que je l'avais trouvée en train de flirter avec un inconnu. Elle avait 16 ans, je m'en sentais responsable. Et après mon engueulade, elle me dit « Stan, j'ai quelque chose à te demander. Vas-y !» J'étais énervé. Jésus, c'est comme ça qu'il a parlé à la femme adultère ? Mais quand on a 16 ans et qu'on a des pulsions, comment les maîtriser ? Bon, vous me direz que c'est valable également pour les plus vieux. Hein. Sûrement. Mais je crois que l'amitié, la présence de quelqu'un qui vous aime et qui vous pose des questions du genre « Est-ce que c'est digne de toi ce que tu fais ? Est-ce que tu reconnais ton image dans ce que tu viens de faire ? Est-ce que tu n'auras pas une souffrance d'avoir eu telle ou telle attitude ?» Je crois que tout est une question de tendresse, on revient toujours là, à condition évidemment que cette tendresse ne soit pas, disons, il y a des contrefaçons de la tendresse. Il y a des tendresses un peu guimauves, il y a des tendresses un peu, comment dirais-je, coucouche panier, bouboulant rond, un peu suave, un peu fleur bleue. C'est pas ça, quoi, c'est une tendresse qui a la rigueur du diamant. Mais il faut l'avoir expérimenté, cette tendresse-là, pour pouvoir ensuite s'enorgueillir. Je crois aussi. Mais même si on en a eu des bribes, sur ces bribes, on peut bâtir. Même si on en a eu très, très, très peu. Parce que c'est des moments qui vous restent toute la vie. Moi, le regard d'une cheftaine de Louveteau quand j'avais 8 ans, jamais oublié. Le regard d'un prêtre quand j'avais 12 ans, sur moi, jamais oublié. C'est fondateur. On se dit, j'ai envie de mériter ce regard. Alors, de là, rentrer dans la prêtrise, il y a un pas que vous avez franchi. Oula. Qu'est-ce qui vous a guidé, vraiment ? Oui, mais ça a été très long. Hein. Sur cette voie-là. Ça a été très long. J'étais dans plusieurs séminaires. Ici, les Moulineaux, la Mission de France, noviciat dominicain, séminaire de Versailles. Pourquoi si long ? Parce que je me demandais, est-ce que c'est à ça que Dieu m'appelle ? Le Concile Vatican II n'avait pas eu lieu. L'image du prêtre avait quelque chose d'un peu sclérosé. Disons que le Concile Vatican II a été une ouverture fabuleuse de l'Église. Et moi, je me disais, je serai un apôtre qui rejoindra ceux qui ne connaissent rien à la religion, mais il faudra que je ne sois pas prêtre pour ça.
Je rêvais à cette époque-là, si vous voulez, de ressembler à des journalistes chrétiens qui diffusent l'Évangile en étant très très proche des gens, proche par la profession et proche par le mariage et le fait d'être parent. Je voulais pas être prêtre, je voulais diffuser l'Évangile, c'est tout. Mais on me disait, il y a que le prêtre qui peut faire ça. En 64, on a restauré le diaconat pour des hommes mariés, ça m'a fait un choc, mais bon, j'ai pas regretté puisque j'ai pu donner, grâce à mon sacerdoce, le sacrement du pardon à des multitudes. Après l'ordination, j'ai confessé pendant 5 jours, 5 heures par jour. Au bout de ces 5 jours, je me disais, mon sacerdoce est amorti. Donc ça a été très grand. Mais cette hésitation pendant si longtemps, je l'ai racontée longuement dans le livre « Dieu écrit droit avec des lignes courbes », mais ça m'est difficile de le résumer, sincèrement. Sauf si on pose des questions très précises, mais je crois que j'ai eu un mal fou à voir où était ma place. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je ne voyais pas clair. Même quand j'étais au noviciat dominicain, sur la fin, là je me disais, mais est-ce que c'est à cela que Dieu m'appelle? Alors le maître des novices, le premier, me dit, c'est à cela que Dieu vous appelle. Un autre arrive et qui dit, c'est pas à cela que Dieu vous appelle. Allez vous y retrouver là-dedans. Ouais. Il y a quand même eu un événement déterminant dans votre vie, c'était la rencontre avec une jeune femme dont la santé mentale s'est dégradée, je dirais, au fil du temps et qui l'a conduit au suicide. Et ça, vous disiez ça, ou vous dites ça, ou vous avez écrit ça, ça a vraiment été pour vous assez révélateur de certaines prises de conscience. Alors, mélangeons pas tout, il y a deux jeunes filles, l'une, Agnès, qui effectivement est très fragile, est un génie, si vous voulez, précoce, et va effectivement tomber dans un désespoir tellement grand qu'elle se donnera la mort. Mais à l'âge de 15 ans, cette jeune fille m'écrivait « Dieu pour moi, c'est une question de vie ou de mort ». J'en avais 18. Cette phrase me burinait intérieurement. Je n'avais pas la foi à ce moment-là, ou plutôt ma foi était très vague, très panthéiste. Je m'adressais à un Dieu qui était le créateur de la nature, c'est tout. Et il y a eu une autre rencontre, alors beaucoup plus importante, d'une jeune fille que j'appelle Sarah, lorsque j'en parle dans les livres ou les interviews, et qui, là, m'a fait découvrir ce qu'est la vie contemplative, dont je n'avais aucune idée. Moi, j'étais un activiste de l'apostolat. J'avais envie de faire connaître et aimer Jésus-Christ, de sauver un peu le visage de Dieu qui est tellement abîmé dans les esprits. Mais la dimension contemplative, c'est-à-dire mettre de l'amour dans mes relations à Dieu, ça, je n'avais pas appris à le faire. Cette jeune fille me l'a appris, mais ça a été déchirant parce qu'il y a eu un très, très grand amour entre nous. Nous nous sommes même fiancés et il a fallu casser ça à coups de hache, ça a été extrêmement dur. Et aujourd'hui, en regardant un peu en arrière, vous voyez les choses comment? Voilà une bonne question, mais à laquelle il m'est difficile de répondre. Je me dis que cette femme, parce qu'elle y a laissé sa vie, elle s'est sacrifiée pour mon apostolat. Et alors je me dis par moments, je n'ai pas le droit de gâcher cet apostolat. Il faut que cet apostolat soit fécond. Il faut que ce sacerdoce porte des fruits. Je suis prêtre depuis 46 ans. Je ne sais pas quelle conclusion donner, mais j'espère que devant Dieu, j'ai pu essayer quand même de le faire connaître et aimer par un très grand nombre de gens. Il s'agit de tribulations. La route est longue, difficile, semée d'embûches. Oui. Vous avez eu des crises de foi. Oui, oui, des crises de foi sur moi-même, des crises de foi sur mon Dieu, sois plus clair. Dis-moi plus clairement où tu me veux. Je me vois nulle part. Je ne sais pas où tu m'appelles. Ça a été douloureux. Dans le noviciat dominicain, je peux dire que j'ai pleuré tous les jours. Et dans ces souffrances, je tenais un crucifix dans mes bras. Et certainement, il y a eu une greffe là qui s'est faite entre ma blessure et les blessures du Christ. Je crois que la sève est passée. Mais comment trouver le bon éclairage, le bon discernement au moment voulu, justement, lorsqu'on est confronté à ce genre de crise ?
Rien n'est plus difficile. Ce sont les gens qui sont autour de vous qui ont mission de vous comprendre, de vous épauler, de vous écouter. Or là, en l'occurrence, il y a eu un père maître qui a été extraordinairement ouvert et qui était presque émerveillé de voir ce genre de vocation qui naissait pour l'ordre dominicain, et l'autre qui trouvait que je n'étais pas accordé à la liturgie dominicaine et que je commettais des erreurs en psalmodiant le latin. Et qui s'est dit, il n'est pas fait pour nous. Bon, c'est pas trop grave tout ça. L'important, c'est de se dire, les épreuves ont un sens, elles nous éduquent, elles nous burinent, elles nous apprennent à voir plus loin. Je regrette rien. Mais pour avoir cette philosophie, ça, là, que vous décrivez, il faut avoir le recul nécessaire, donc l'expérience. Et donc, c'est a posteriori, finalement, qu'on arrive. Exactement. Je vais prendre un petit exemple. Un jour, moi, j'écris un papier sur un voyage que j'ai fait au Chili en 71 et je le passe au journal paroissial. Refus. Je ne sais pas pourquoi, pas d'explication. Je me dis, une porte se ferme ici, une autre va s'ouvrir là. Je l'envoie à la Croix. La Croix l'accepte, le publie 15 jours après. Et je me dis, une porte se ferme là, une autre s'ouvre là. Donc, l'optimisme ou l'espérance, les deux à la fois, et ça ouvre toutes les portes. Et ça, cette devise-là, c'est déclinable à merci. À merci. Et les bouddhistes disent, toute situation est la meilleure des occasions sur le chemin spirituel, je veux m'accrocher à cette devise-là. Vous inspirez beaucoup du bouddhisme, de oui. Ces philosophies-là. Oui, je vais souvent dans des retraites bouddhistes. J'aime beaucoup lire le Dalai Lama, ce qu'il a écrit sur le Christ. J'ai des amis bouddhistes et je crois que j'ai besoin de recevoir dans mon sang, qui est un peu trop inquiet, un peu trop tendu, cette pacification, cette sérénité, ce recul, cet humour. Alors là, vous me surprenez à double titre. D'abord, vous n'avez pas l'air franchement de quelqu'un de fondamentalement inquiet et qui doute. Alors là, vous révélez... Hélas, oui, il y a une facette de ma personnalité. Une facette inattendue de votre personnalité. Que je tiens de mon père, parce qu'il était ça, la puissance 10. Ah oui ? A toujours inquiet. Mes pauvres enfants, qu'est-ce qu'on va manger l'année prochaine ? On va être sur la paille, on va manger du foin, on n'a plus de charbon. Tout était dramatisé. Mais là, matériellement, vous n'êtes pas inquiet, vous, quand on est prêtre ? Si, ça m'arrive. C'est inquiet de quoi ? C'est inquiet de me dire, tiens, combien de temps je vais continuer mon apostolat ? Est-ce qu'on va ça, c'est pas matériel. Est-ce qu'on va encore me demander pour des conférences ? Est-ce que les gens vont pas se dire, il a 76 ans, il est trop vieux ? Il y a une douleur. Il y a une douleur, déjà. J'ai été retiré, si vous voulez, de l'aumônerie avec des jeunes en permanence, parce qu'on se dit, pour les aumôneries de jeunes, il ne faut pas des gars au-delà de 75 ans, alors que moi, j'ai l'impression, dans ma tête, d'être plus jeune que jamais. Donc, il y a une douleur, là. Je ne dis pas une inquiétude, mais enfin, une tension. Ouais. Et vous partagez ça, donc, avec quelqu'un, vous arrivez à communiquer à ce niveau-là. Ah oui. Quand on est prêtre, on écoute beaucoup, mais est-ce qu'on peut parler, vraiment ? Oui, oui, on peut, si on a envie. Mais vous êtes un peu un électron libre, vous n'êtes rattaché à aucune paroisse. Oui, mais je suis rattaché à un diocèse, j'ai un évêque, je peux lui parler, il peut me parler, d'autant plus que je l'ai connu avant qu'il soit évêque, donc je suis assez détendu à son égard. Alors, je reviens à ma question précédente, c'est vrai que j'étais assez impressionné par ce que vous disiez, parce que finalement, on se rend compte que seule la foi chrétienne ne permet pas à un haut niveau qui est à la fois psychologique et spirituel, qui est le vôtre, de se stabiliser. On a besoin de trouver ailleurs, en l'occurrence dans les philosophies bouddhistes, matière à finalement se rasséréner. Mais pour moi, c'est Jésus qui me fait le cadeau de Bouddha. J'ai rencontré au Japon un moine qui s'appelle Oshida, qui me disait « je suis bouddhiste et chrétien ». Il a une statue de Bouddha qui tient un crucifix dans ses mains. Et j'ai l'impression que c'est Jésus qui me donne le cadeau du Coran. C'est Jésus qui me donne le cadeau des soufis. Quand vous pensez à la parole d'Ibn Arabi qui dit « ma religion, c'est l'amour ». C'est magnifique, ça. Je pense aussi à un autre musulman qui dit dans sa prière « Seigneur, tu as fait la nuit, j'ai fait la lampe. Tu as fait la terre glaise, j'ai fait le vase. Et tu as fait le désert, j'ai fait le jardin. » Tout ça me nourrit. Pour moi, c'est pas voler ailleurs quelque chose qui ne m'appartient pas. Tout est cadeau dans ce monde. Et je vois pas pourquoi je refuserais. Et le Concile le dit. J'étais à Assise en 1996
ou 86 même. Il y a eu deux rendez-vous d'Assise. Non, le premier, je parle, 86. Ouais. J'étais là. Avec le Dalai Lama. Oui, j'étais là, invité par Mgr Etchegaray, et j'ai vécu quelque chose d'inouï, d'intense, de fabuleux. Et Nostra Aetate disait, les chrétiens ont pour mission de donner le message des autres religions, de le partager, de le reconnaître d'abord et ensuite de le faire aimer et estimer. Mais la question que je voulais vous poser, c'est de savoir, en fait, à ces jeunes auxquels vous vous adressez, oui, est-ce que vous leur recommandez d'emblée d'aller vers le bouddhisme, non, choix peut-être plus facile, non, ou au contraire de découvrir le christianisme, oui, et ensuite de s'enrichir? Découvrir le christianisme et être bien fondé là-dessus. Le Dalai Lama a une belle comparaison. Il dit, celui qui veut trouver de l'eau dans le désert, il ne va pas creuser 7 puits, il en creuse un. Et je crois qu'il faut donc entrer dans une tradition, bien la choisir. Mais moi, c'est une fois avoir été nourri par le Christ et par les évangiles pendant des années et des années que je peux aborder les autres traditions et m'en nourrir et me sentir fraternel. Avec... Moi, il y a une chose qui me bouleverse dans ma vie, c'est que j'ai été invité par des hindous pour parler du christianisme. J'ai été invité par des bouddhistes. J'ai donné une conférence dans une mosquée à Paris pendant une demi-heure, traduite ensuite en arabe. J'ai été invité par des juifs, etc. Je me dis, quel bonheur d'être quelqu'un avec une parole libre qui peut donner son propre témoignage dans des instances de religion autre. On va resserrer vraiment sur vous, hein, je dis ça au réalisateur, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de relativisme ambiant ? Il y a un risque pour ceux qui ne sont pas enracinés dans une tradition personnelle, qui n'ont pas fait ce dont parle le Dalai Lama, ils n'ont pas creusé leur puits. Bien sûr qu'il y a un risque. Il ne faut pas aller au supermarché des religions, vous me donnerez 25 grammes de bouddhisme, 200 grammes d'islam, 300 grammes de judaïsme. Il ne faut pas ça. Il faut avoir une tradition dans laquelle on est enraciné. Moi, plus j'aime Jésus, plus je me nourris des évangiles et plus je trouve intéressant les saints et les saintes des autres religions. Il y a cette phrase, hein, tirée du reportage que l'on a vu tout à l'heure, qui est extraordinaire, et qui dit « Dieu te cherche, laisse-toi te trouver ». Avec à la clé cette dizaine ou cette vingtaine de rendez-vous, dites-vous, que Dieu vous fixe dans une vie. C'est quoi ces 20 rendez-vous ? Y a un livre où j'ai rassemblé tout ça, et c'est peut-être mon livre préféré. Dieu nous donne rendez-vous dans la création et sa beauté. Dieu nous donne rendez-vous dans le silence. Dieu nous donne rendez-vous dans les amitiés qui sont toujours un trésor extraordinaire. Dieu nous donne rendez-vous dans l'amour humain. Dieu nous donne rendez-vous dans la paternité. Dieu nous donne rendez-vous dans la prière, dans les sacrements, dans sa parole. Et la parole de Dieu, pour moi, est un rendez-vous capital, parce que Dieu nous donne 3000 lettres d'amour, et je suis triste de penser que beaucoup de gens ne les ont jamais décachetées et ne sauront jamais entendre ces propos d'amour que Dieu nous dit dans Isaïe. Les montagnes peuvent s'effondrer, mon amour pour toi ne s'en ira jamais. Il y a des choses de toute beauté dans la Bible, et les gens l'ignorent. Ce matin, en venant ici, dans le RER qui était bondé, je me disais, il y a même pas une personne sur 50 qui connaît la Bible. Quel drame! Mais c'est désolant. Et face à cette désolation, vous réagissez comment? À nous de jouer. Présentons nos rendez-vous de l'amitié, de la rencontre, de la parole de Dieu. À nous d'être les médiateurs de ces rendez-vous, puisque souvent ces rendez-vous, c'est à nous de les proposer. Le rendez-vous dans la beauté, mettons, il est à donner à quelqu'un qui déprime et qu'on va emmener se balader dans la beauté de la nature. Dernièrement, il y a 20 ans, quelqu'un était désespéré, je lui ai dit, je t'emmène en retraite, on va être dans le silence, dans la beauté de la création, ça va te taper, je te consacre 2 heures par jour. Ce type s'est complètement transformé grâce à ce séjour, c'était fabuleux. C'est des moments uniques dans ma vie, ça. Vous aviez une vision prophétique, vous êtes visionnaire. Face à ce décalage qui existe aujourd'hui entre ce que vous disiez tout à l'heure, la Bible et la connaissance des textes bibliques d'un côté et puis l'ignorance de l'autre, vous voyez les choses évoluer comment ? Je le vois évoluer. Parce qu'on a l'impression que le fossé se creuse quand même au fil du temps. Oui, mais je me dis qu'il faut... C'est presque irrémédiable. Oui, mais je me dis qu'il faut être
totalement dans l'espérance. Et je regarde ma propre vie, je me dis, le garçon que j'étais à 18-19 ans, intoxiqué de Sartre, de Camus, de Freud, de Malraux, de Simone de Beauvoir, part en Afrique pour y être infirmier. Il emmène avec lui un livre que lui a passé son aumônier scout. Ce livre, c'était Citadelle de Saint-Exupéry. Dans ce livre, à chaque page, une allusion à Dieu. Une phrase, mettons, « Je connus l'ennui qui est d'être privé de Dieu ». Ou alors, à un autre moment, c'est triste lorsque l'on perd le goût de Dieu. Toutes ces phrases de syntaxe m'ont vrillé le cœur. Ça me rend plein d'espérance. Je me dis, est-ce que tu trouveras le livre qui convient à tel jeune qui est en recherche? Parce qu'il faut trouver le texte qui convient à tel ou tel. C'est pas n'importe quel texte qui convient à tous. Donc il faut être très à l'écoute de quelqu'un, bien voir quel est son caractère, son tempérament, sa culture, et ajuster un écho de la parole de Dieu ou un premier échelon de l'échelle. Je me souviens, j'étais invité par Patrick Poivre d'Arvor pour faire face à Norman Mailer, qui venait d'écrire un livre sur Jésus. J'avais lu ce livre toute une nuit, je n'avais que ça, que ce temps-là pour le lire. Je m'aperçois que c'était effarant de sottises sur Jésus. Je téléphone à Monseigneur Lustiger, je lui dis « Qu'est-ce que tu en penses ? Je vais affronter Norman Mailer. » Il me dit « Écoute, il a touché un pan du manteau de Jésus. Mise là-dessus. » J'ai trouvé beau cette formule, quoi. Il y a toujours un petit point où quelqu'un est accroché. Dieu nous attrape par ce qui dépasse. À nous de voir la personnalité de la personne que nous rencontrons et de pas ramener à nous des gens qui sont à conduire à Dieu. J'imagine bien, mais quand on prend votre exemple, vous êtes passé, vous, par cette période, vous le disiez tout à l'heure, existentialiste, vous êtes plongé dans la psychanalyse avec Freud. Est-ce que finalement, ce n'est pas un passage obligé pour ensuite découvrir Dieu? Mais si on plaque à ces enfants de 14, 15, 16 ans des livres très religieux, est-ce qu'à contrario, ça n'a pas tendance peut-être à les éloigner finalement de cette voie de l'Église? Tout dépend comment sont ces livres. On m'a passé à l'âge de 6 ans un petit livre que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps parce qu'on me l'a procuré, qui s'appelle « Jésus et moi », très ancien, 1936. J'ai goûté ce livre formidablement. Je m'en suis rendu compte en le retrouvant après 70 ans. Et dans ce livre, Jésus était merveilleux. Il était l'ami du petit garçon de 6 ans que j'étais. Il tenait ce petit garçon sur ses genoux. Il venait voir ce petit garçon quand il avait un bandeau sur la tête et qu'il était malade. Et donc, moi je dis oui pour un accrochage avec les petits, mais de qualité. Ce livre, c'était un des 20 rendez-vous dont vous parlez ? Ah oui, totalement. Alors c'est vrai que beaucoup de choses ont nourri votre vie, on l'aura compris, la rencontre bien sûr avec les jeunes, l'écriture hein, dont vous parlez, l'écriture et également la lecture. Hein, puisque lecture et l'écriture. Vous lisez énormément. Hein. Énormément, un livre par jour. Et l'écriture, moi je l'ai surtout découverte en étant infirmier, en lisant Senghor et Césaire à des malades africains et en leur disant « c'est un noir qui a écrit ça ». Et je sentais que cette lecture leur donnait envie de guérir. Ouais. Parce que leur drame, c'était de dire « on n'est rien ouais. ». Léopold Sédar Senghor, hein, qui était académicien. Oui. Et puis Aimé Césaire, bien sûr, l'antillais. Hein. J'étais fou de poésie, depuis la rencontre d'Agnès dont on a parlé tout à l'heure, et qui était une grande poète. Elle avait gagné à l'âge de 15 ans un concours de poésie. J'étais fou de poésie, et j'en écrivais beaucoup. Mais là, de parler à ces malades me faisait découvrir la beauté du langage, la force du langage. Vraiment, à l'heure actuelle, je passe un tiers de mon temps à écrire. Et à lire aussi beaucoup. Hein. Ah oui. Paul Claudel, Aragon, Oh là là. Ce sont vos écrivains préférés ? Dernièrement, en Guyane, je visite une église. Pendant 3 ans, un bagnard a décoré cette église. Une merveille. J'ai écrit sur le livre d'or le verset d'Aragon. L'homme crie où son fer le ronge et sa plaie engendre un soleil. Il y a quelqu'un qui a lu ça après qui m'a dit « Mais comme c'est beau !»
Et moi, j'ai dit, et comme c'est vrai. Ce bagnard, c'était Papillon ? Non, un autre, mais ça aurait pu. Non, par contre, aux îles du Salut, il y a un bagnard qui a décoré toute la chapelle, et c'est aussi une petite merveille. Les voyages vous ont vraiment ouvert les yeux, vous ont donné une dimension supplémentaire. Vous recommandez, surtout que maintenant, je veux dire, c'est vrai que c'est plus facile de voyager, hein, les prix ne sont plus les mêmes. Oui, oui, la planète est un grand village. Moi, je suis fou de voyage, c'est extraordinaire. Là, je reviens donc de Guyane, on y rencontre des ethnies d'une variété époustouflante. Il y a peu d'endroits du monde où il y a des gens aussi variés que là. Et c'est merveilleux de voir cette variété. Parce qu'on voit que l'être humain, il est fondamentalement le même pour le besoin d'être reconnu, d'être aimé, de recevoir de la considération, disons un regard positif, qu'on l'aide à se découvrir. Et il est très différent par ses coutumes. Moi, mes voyages m'ont toujours maintenu dans un certain tonus. Je ne peux pas m'arrêter de voyager. Mais il y a aussi les voyages intérieurs qui nous conduisent loin. C'est ce que j'allais vous dire, parce que quand vous dites « Dieu te cherche, laisse-toi te trouver », est-ce que ce n'est pas finalement en contradiction avec la philosophie, je dirais presque, de saint Augustin, qui consiste à dire que finalement Dieu est au cœur de nous-mêmes et que c'est en cherchant intérieurement qu'on arrive à le trouver ? Oui, je te cherchais au dehors alors que tu étais au-dedans de saint Augustin. N'empêche qu'il a beaucoup bougé, saint Augustin, quand même. Avant de devenir prêtre, mais ensuite il s'est stabilisé quand même. Oui, si vous voulez, mais avant. Oui, c'est vrai qu'il a aussi. Avant, il a pas mal bougé. Il s'est ouvert aux cultures des autres. Et en tout cas, chacun son chemin. Il ne s'agit pas d'imiter quelqu'un d'autre, mais de suivre sa voie à soi. Moi, j'ai une admiration sans borne pour Thérèse de Lisieux, qui n'a pas bougé de son Carmel. Et elle sait tout et elle a tout compris à 24 ans. Elle a cette parole merveilleuse quand elle parle de sa mort. Elle dit « Je ne vous parlerai plus avec les mots fatigants de la terre. Je vous parlerai avec le langage incomparable du ciel. » C'est superbe. Que serions-nous sans Thérèse ? Ouais. Et qu'est la vie sans se poser ce type de questions, non ? Oui. Oui. C'est ce que vous dites, hein. Vous dites vraiment... Il y a cinq questions, j'ai ça sous les yeux, les cinq questions que le monde entier se pose. À quoi sert de vivre ? Pourquoi mes parents ne s'entendent pas ? Pourquoi le mal existe-t-il dans ce monde ? Quand on aime, comment sait-on que c'est la bonne personne ? Et la plus récurrente, que l'on vous pose très régulièrement, pourquoi est-on sur Terre ? C'est ça. Alors finalement, est-ce qu'on a vraiment des éléments de réponse par rapport à ces cinq questions ? Ces questions sont posées par tous les jeunes partout où je vais, que ce soit aux îles Marquises, à Tahiti, aux Seychelles, à l'île Rodrigue, à Maurice. Mais ce qui doit être frustrant finalement, c'est que vous n'avez pas les réponses quand même. Si ? Moi, j'ai le sentiment de les avoir, mais je veux les donner par petits morceaux. Pas les asséner comme un bloc et pas les asséner comme une certitude qui nous rendrait orgueilleux et comme avec le sentiment que nous possédons la vérité. J'ai plutôt envie de donner ça par petites béquilles et de voir comment c'est reçu et à la façon dont est reçu tel ou tel élément de réponse, je vais plus loin ou je m'arrête. Mais le sens de notre vie qui est donné par la Bible et qui est « nous sommes en stage d'amour, nous avons à apprendre à aimer comme Dieu aime et nous ne pouvions pas être mis dans un univers où on s'aime tous. Il nous fallait désirer cela, nous préparer à cela et comme des marins apprennent à naviguer, il nous fallait apprendre à aimer. » Mais vous dites « on n'a pas de vérité, on ne peut pas plaquer un discours ». Vous avez quand même... l'impression de posséder en vous la vérité avec un grand V, quand vous dites on ne peut pas bien vivre en pensant qu'on est venu de rien et que l'on ne va vers rien. Oui, ça c'est impossible. C'est un peu pour ça, moi, que j'ai voulu être croyant, parce que je me disais, si je viens du néant et que mon avenir c'est un cimetière, je ne vois pas pourquoi je serais quelque chose dans l'intervalle. Donc j'ai l'impression d'avoir une bonne nouvelle à partager, comme l'ont partagé avec moi le père Bogros à Clermont-Ferrand et le père Maillard qui se trouve à Lille, qui m'ont fait ce cadeau-là. Et moi je voyais bien que cet évangile les avait façonnés et avait fait d'eux des êtres de compassion, des êtres de joie, des êtres d'intelligence, des êtres d'ouverture. Saint Thomas dit « Je ne crois qu'à ce que je vois ». Moi, j'ai l'impression que je ne crois qu'à ce que je vis. Je ne crois qu'à ce qui m'a changé, ce qui m'a transformé. Je vois bien l'impact
de l'Évangile sur ma vie. Celui qui se cogne contre un rocher, il ne va pas douter de l'existence du rocher. Donc il faut avoir traversé des périodes de crise pour en fait toucher la grâce. Je pense que c'est imparable. On ne peut pas faire l'économie de l'effort et de la difficulté. Et le Christ, parlant de la souffrance, nous dit c'est comme la femme qui accouche. Donc la grande question, c'est qu'est-ce que je suis en train d'accoucher? Il y a une parabole juive que je trouve extraordinaire. Moïse est monté au Sinaï, il a rendez-vous avec Dieu, il descend avec les pierres où sont gravées les 10 paroles. Il ne sent pas le poids de ces pierres. Mais il voit l'apostasie. Et à ce moment-là, devant cette apostasie du peuple qui a fait le veau d'or, les paroles de Dieu s'effacent. Les pierres sont trop lourdes, elles lui tombent des mains. Je crois que si nous comprenons les épreuves que nous vivons, on peut tout traverser. Si nous ne comprenons pas ces épreuves, on ne peut rien traverser. Mais pour les comprendre, il faut également la connaissance. Là, vous faites allusion à Moïse, l'Ancien Testament. Ah là, oui. Il faut aujourd'hui ces liens, ces passerelles, qu'on nous explique. En fait, le passage de l'ancien au nouveau, ce pont, en fait, qui est tant méconnu aujourd'hui. Ça me fait penser à une parabole que je trouve jolie. Il y a un type, il est athée et il veut un maître spirituel en athéisme. Alors on lui donne l'adresse d'un vieux bonhomme qui habite une cave à New York, il y va, et le gars lui pose la question, avez-vous lu la Bible? Non. Avez-vous lu le Coran? Non. Avez-vous lu la Bhagavad Gita? Non. Mais vous n'êtes pas athée, monsieur, vous êtes ignorant. Et vous voyez vraiment une différence flagrante entre les deux termes qu'on a tendance à assimiler? Je trouve en tout cas que celui qui dit « je suis athée » et qui ne s'est pas donné la peine de creuser un petit peu pour voir de quoi il s'agit, il est un peu à côté de ses pompes. Ouais, il y a un athéisme quand même très très virulent aujourd'hui. On le voit à travers Michel Onfray ou d'autres. Oui, c'est effrayant. Vous jugez ça comment? Écoutez, je juge ça en me disant il n'a pas dû y avoir beaucoup de monde dans l'école où il était quand il était jeune, car il était en école catholique. Il n'y a pas dû y en avoir beaucoup qui l'ont accueilli, compris et écouté. À mon avis, il y a eu une souffrance et un déchirement. C'est pas possible que ce soit autrement. Moi, je me souviens un jour, j'étais interviewé chez Mireille Dumas et le fondateur de Charlie Hebdo a déversé des torrents de haine contre la religion. Et Mireille Dumas m'a dit « Comment réagissez-vous ? » Je me suis tourné vers cet homme et je lui ai dit « Vous avez dû souffrir terriblement pour en arriver là. » Et il y a eu un très grand silence à ce moment-là sur le plateau parce qu'en effet, des fois, la révolte contre Dieu vient d'une blessure. Oui. D'une cassure parfois engendrée. Cassure, oui. Parfois engendrée aussi, il faut le reconnaître aussi, ça vous devez déplorer par des comportements malencontreux, également. Des paroles blessantes, humiliantes. Oui. Oui. Mais moi aussi, j'ai dit ces paroles-là, j'en ai honte et j'en demande pardon. Et il faudra que je passe à la purge, au purgatoire. Mais on ne peut pas faire l'économie des fautes et des erreurs. On est sur une planète où on apprend à aimer. Nous sommes là parce que nous ne savons pas aimer. Donc si je n'accepte pas ma faiblesse d'amour, ma pauvreté d'amour, je ne peux pas avancer non plus. Vous voyez les choses comment dans l'au-delà, dans l'après? Je vous pose la question parce que vous avez eu la tristesse de perdre votre frère. Coup sur coup, j'en ai perdu deux. Là. Vous en avez perdu deux, oui. Et vous les sentez comment, présent encore malgré tout? Incroyablement présent. C'est-à-dire? Et je faisais dire à l'un d'entre eux, dans une homélie où, que je terminais, je disais, Jean nous dit cet après-midi, ne pleurez pas, je ne pars pas, j'arrive. Et il y avait là des gens considérables, parce que mon frère avait de très très grosses responsabilités. Je me dis, il n'y a pas de moment où on peut plus toucher les cœurs que dans ces moments-là. Parce que, en tout cas, moi, j'ai une foi, comment dirais-je, insolente en la vie éternelle. Si vous me demandez comment je l'imagine, je dirais, vous prenez tous les moments les plus merveilleux de votre vie, même s'ils n'ont duré qu'un quart d'heure, vous faites un petit patchwork avec tout ça, vous portez ça à l'infini en enlevant toutes les zones d'ombre qui peut être, zut, ça va se terminer dans une heure, quel dommage, et vous avez un échantillon de ce que pourrait être le bonheur que Dieu va nous donner. Moi, j'entends Dieu nous dire, t'as encore rien vu.
et pourtant je passe mon temps à être ébloui par ce que je vois, notamment chez les êtres humains, par leur tendresse, par leur affection, par les services rendus. Je rencontre des gens qui sont d'une bonté mais incroyable, et j'entends Dieu me dire « t'as encore rien vu ». C'est la miséricorde divine, ça ? C'est un aperçu de la miséricorde divine. On va être soufflé par ce qu'on va voir. Je ne vais pas vers un juge quand je vais mourir. Je vais vers le père de l'enfant prodigue. Le premier saint du paradis est un truand à qui Jésus dit « Ce soir, tu seras avec moi dans le paradis ». Ouais, le bon larron. Alors, qui peut avoir peur ? Qui peut avoir peur ? Alors, il nous reste 5 minutes, ce que je vous propose. C'est de nous chanter une petite chanson, parce que je dirais que vous avez plusieurs cordes à votre arc, hein, c'est le cas de le dire. Donc on va vous laisser Encore faut-il en que parole. Ces cordes soient accordées. Ouais, elles le sont, hein. Visiblement, il y a une unité dans votre discours et votre comportement. J'annonce le contenu de cette chanson. C'est le vieux noir qui va mourir, et il est heureux parce que dans le royaume où il va, on s'aime. Et il ne dit pas mourir, il dit franchir le Jourdain. Il va vers la terre promise. Vieux pèlerin qui vagabonde, je suis partout un étranger, mais je suis sûr qu'en l'autre monde, Dieu va m'offrir à me loger. Je vais là-bas revoir mon père, fini pour moi de cheminer. À l'autre bord de la rivière, maison à moi, je vais trouver. J'achèverai bientôt ma route. J'entends tout proche le Jourdain. La mort n'a rien que je redoute. J'y laisserai tous mes chagrins. Je vais là-bas parmi les anges, en oubliant mes vieux soucis. Passer mon temps à la louange, dire à Jésus sans fin merci. Voici la fin de mes souffrances et le repos pour mon vieux corps. Voici venir la récompense par Dieu promise à mon vieux corps. Je vais là-bas revoir ma mère, près d'elle enfin me reposer. À l'autre bord de la rivière, maison à moi, je vais trouver. Ah, bravo, magnifique, magnifique. J'aime beaucoup les négros spirituels. Ouais. Et je les ai chantés à Harlem, au milieu de 500, 600 noirs qui m'avaient demandé de le faire. Parce qu'on disait, cet étranger blanc qui est venu parmi nous, il a peut-être quelque chose à nous dire. Et je venais près du micro et je disais, ce que j'ai à vous dire, c'est que je suis fou de vos chansons et j'aimerais vous en chanter. Et il m'accompagnait à 4 voix, bouche fermée, extraordinaire. Ça, c'est des petits morceaux de paradis, ça. Ouais. Mais on a envie de vous entendre presque religieusement. Il n'y a pas question, contrairement aux églises à Harlem, de transe à travers ces chants-là. Il y avait des fois des transes. Moi, je me souviens cette femme qui criait « Mais cet étranger, il a besoin de toi, Jésus !» et me désignant du doigt « You need Jesus !» et moi lui disant « Of course !» On l'aura compris, écriture d'un côté, chant de l'autre, et puis aussi peinture, hein, puisque ouais, vous êtes un... J'adore ça. Ouais, vous adorez je ça. Je remplace par la photo parce que j'ai pas le temps. Et vous peignez quoi, des visages ? Des visages, mais pas seulement. Moi, j'ai peint un jour un lieu de retraite que j'aimais, on m'a piqué le tableau. Alors, quand on écoute votre chanson, on adapte forcément cette chanson à votre personnalité. Vous voyez, effectivement, vous appréhendez là, c'est cette rencontre qui va avoir lieu. Au contraire, c'est vraiment l'abandon total, le bonheur, comme vous c'est dites. C'est un bonheur. Moi, si on me dit tu meurs ce soir, fou de joie. Ouais.
malgré ce que vous disiez tout à l'heure, ce passage quand même. Ah ben, il y a un moment difficile, mais un peu comme celui qui prend une douche. À travers le purgatoire. Celui qui prend une douche parce qu'il est tombé dans une fosse à Purin, mais il pense pas au Purin et à la douche, il pense à sa fiancée qu'il va retrouver dans 20 minutes. Et là, c'est qui vous voulez retrouver là ? Jésus. Et la Trinité. Parce que je ne peux pas séparer Jésus de son Père et de l'Esprit-Saint, c'est pas possible. Il y a l'aimant, l'aimé, l'amour. C'est pas un Jésus tout seul, c'est pas un Jésus simplement humain. C'est une trinité de tendresse qui était amour bien avant le Big Bang. Donc il n'y a vraiment, on va conclure là-dessus, pas d'autre chemin que celui du Christ ? Oui, mais d'un Christ ouvert à toutes les religions, on y revient. Un Christ qui n'est pas limité étroitement au Jésus vu par Dupont, 20e siècle occidental. Pas possible. Bah écoutez, merci infiniment de cette heure passée en votre compagnie. Merci à vous, Richard, aussi. De ce cadeau merveilleux que vous nous avez offert, vraiment, et en venant ici. Et vous ne croyez pas que c'était merveilleux de poser des bonnes questions. Ouais, les bonnes avec questions, un regard, pas, les bonnes avec, questions, pas toujours, malheureusement. Avec un regard valorisant. Bon, en tout cas, merci, et je pense que le public aura été très très sensible à tout ce que vous avez pu dire ici sur ce plateau de KTO Magazine. Si les gens qui nous regardent, ils sont très nombreux souvent à se manifester, veulent rentrer en contact avec vous, comment peuvent-ils le faire ? En m'écrivant 6 rue des Épis à Mennecy, ou en cliquant sur Google à Stan Rougier, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et je souhaiterais, s'ils le veulent, que je puisse leur envoyer le DVD dont est extrait les images qu'on a vues tout à l'heure. Un DVD fait par un jeune, Cédric Avenit, et qui est une petite merveille, je crois. Combien de livres en tout vous avez écrit ? 25. Et il y en a un qui sort dans un mois, qui s'intitule « Pourquoi l'as-tu suivi ?» Combien d'albums ? Parce que là, votre chanson est tirée d'un album ? J'ai fait des disques avec des chansons, oui. J'en ai aussi. Il faut les demander aux Carmélites de Saint-Sever. C'est elles qui font les disques. D'accord. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup, Père merci Rouget, à vous. D'être venu vous. Sur ce plateau de KTO Magazine. Et à bientôt, on vous retrouvera dans une de nos chroniques, le mercredi, un dans Esprit de Famille. Un grand moment pour moi, vraiment. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir.